Il y a une caverne secrète, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette caverne? Et salut les amis, c'est Prime Furious, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Brookhaven. Aujourd'hui les amis, nous allons essayer de découvrir pas mal de secrets concernant ce jeu. Voilà, moi j'ai fait pas mal de recherches, j'ai découvert des lieux secrets et j'ai envie de vous les faire voir. Peut-être vous les connaissez, peut-être non, on va le faire ensemble, c'est parti. Donc déjà dans un premier temps, merci à tous ceux qui m'ont répondu pour l'hélico. Effectivement, l'hélico n'est plus dans le jeu les amis, maintenant il a été remplacé par le traîneau. Pourquoi? Ben parce que c'est Noël, hein, c'est incroyable, hein. Eh ben oui, effectivement, c'est Noël, c'est pour ça qu'il n'y a plus le traîneau. Donc maintenant, je dois prendre le Santa Sleigh. Voilà, ben s'il te plaît, monte dessus, voilà, je veux le prendre. Et maintenant, je fais comment pour voler? J'appuie là, ok, oh, oh là là, oh là là. Oh là, j'ai une panne de moteur, les amis, les rennes, ils font n'importe quoi. S'il te plaît, est-ce qu'il y a moyen que tu te mettes normalement, en fait? Voilà, oh là là, le contrôle, oh mais c'est la misère. Pourquoi il est à l'envers, le traîneau? Mais n'importe quoi, regardez ça, je vole à l'envers avec le traîneau du Père Noël. Voilà, donc visiblement, je dois appuyer là pour augmenter la vitesse. Et c'est parti, voilà, ça y est, je suis avec le traîneau du Père Noël. On va voir jusqu'où on peut aller. Ah, c'est mieux quand même. On peut visiter la ville en l'air, voilà, tranquillement. Regardez, je vole, c'est un truc de fou. Enfin, je réussis. Voilà, je sais pas ce qu'il y a de ce côté. Ah, il y a des drones, ça a l'air d'être pas mal. Ils ont enneigé la montagne, forcément. Et là, il y a la mer. Traîneau, là, s'il te plaît, voilà, essaye de faire. On va voir si on arrive à faire des trucs assez acrobatiques avec. Voilà, mais ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Se promener à l'envers, la tête vers le ciel. La base, regardez un petit peu la vue qu'on a quand on est à l'envers. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de découvrir d'autres zones qui sont un peu plus sympas. Donc, oh, c'est incroyable. Ben, moi, j'aimerais bien atterrir, en fait. J'aimerais bien atterrir. Vas-y, laisse-moi. Oh là là, le carnage. Le carnage, les amis. Mais je peux même pas descendre. Il est passé où, mon traîneau? Il est passé sous le sol. Il a disparu. Bon, c'est pas grave. On va se contenter d'une voiture simple, hein. Voilà, on va pas prendre la... on va pas chercher plus loin que ça. On va prendre mon 4x4. Voilà, moi, je l'aime bien, le 4x4. Je le trouve vraiment stylé. Je peux changer la couleur. Je vais le mettre en bleu. Non, en noir. Comme ça, il fait un peu plus discret. Voilà. Et là, à côté de ça, on va mettre 100 km/h vitesse max, histoire que le véhicule, il roule vite, mais pas trop. Voilà. Donc, on va aller visiter un petit peu cette carte, les amis. On va essayer de trouver des endroits secrets. Il y en a pas mal, hein. Donc, normalement, il y en a un qui doit se retrouver par quelque part. Voilà, on va le trouver. On va chercher. Je sais qu'il y en a, les amis. Je sais qu'il y en a. Alors, hop. On va aller dans cette direction. Déjà, la question, c'est... What? Est-ce que j'arrive à monter jusqu'en haut de cette montagne avec le 4x4? Vous êtes posé la question de ça. On va prendre de l'élan. On va prendre un peu d'élan. Hop. Allez, c'est parti. On va décoller. Est-ce que je vais réussir à monter jusqu'à là-haut avec mon 4x4? C'est parti. Ouais. Oh là là, c'est incroyable. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Je vais réussir. Non. Non. Hop. Et ça y est les amis, après une longue recherche, donc là on est au niveau de l'étable, hein, et il faut aller ici, regarder un petit peu ce passage secret. Voilà, je ne le trouvais plus, hein, franchement. Au moins vous vous repérez par rapport à l'étable. Et regardez ça, il y a une caverne secrète. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette caverne? Alors ça, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'il y a des trucs à cacher là-dedans? On est en train d'observer. En plus il fait nuit, on voit que dalle. Par contre ça fait une belle cachette secrète, hein, regardez ça. Si vous voulez vous planquer, c'est l'idéal. Et regardez, c'est grand, hein. C'est quand même grand à l'intérieur. Alors, est-ce que je peux mettre ma voiture dedans? Ben ouais, je peux faire pop ma voiture à l'intérieur. Ben, ça sera peut-être mieux. Alors, je vois plus rien. Est-ce que je peux allumer mes phares, là? J'aimerais bien allumer les phares de la voiture, l'ami. Voilà, allume les phares. Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que je peux me balader dedans? Ouais, oh, c'est grand, en fait, hein. Là, c'est carrément une base secrète, les amis. Regardez ça. C'est immense. Je suis sous la montagne, en fait. Ouais. Je suis complètement planqué sous la montagne dans un passage secret. Est-ce que je peux sortir maintenant? Je ne retrouve plus la sortie. Elle est où la sortie de cet endroit de fou? Voilà, c'est là-bas. Vous voyez, il y a de la lumière. On va aller. Normalement, je dois pouvoir ressortir facilement, quoi. J'espère en tout cas. Oh, j'ai l'impression d'être un cambrioleur là avec ma lampe. Allez, sors de là. Sors de là, l'ami. Oui. Voilà, ah ben, il y a un passage qui est plus simple, c'est ici, vous rentrez directement. Bon, au moins vous le savez, c'est en face de l'étable. Il y a un passage secret dans la maison. Donc maintenant, on va aller en voir un autre, hein, parce que moi j'aime bien. Donc on va aller voir la petite cabane qui est là-bas, la cabane abandonnée. Ça peut être sympa pour faire des histoires, style il y a quelqu'un qui s'est installé dedans, une personne bizarre qui est à l'intérieur de la maison. Surtout quand vous y allez la nuit comme ça, regardez ça.
Là, j'y vais. On ne sait pas trop ce que je vais trouver à l'intérieur. Hein. Une cabane secrète. Regardez ça, la cabane abandonnée. Est-ce qu'il y a des trucs à l'intérieur? Ben non, j'ai l'impression que je suis tout seul. Là, je me sens tout seul. Mais déjà, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette baraque. Hein. On ne peut pas rajouter des trucs, c'est dommage. Ça aurait été sympa qu'ils mettent des passages secrets ou quoi. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va essayer de monter jusqu'à la montagne là-bas. On va s'y retrouver. Attention, je vais prendre... Voilà, on va prendre cette voiture, ça devrait aller. Et on va aller jusqu'à la montagne parce qu'on va essayer de faire du drone. Vas-y! Voilà, c'est juste là, regardez. Il y a une genre de rambarde. On a l'air de pouvoir monter. Oh, c'est classe! Qu'est-ce que c'est bien! On peut monter jusqu'en haut. On va aller voir si on peut récupérer les trucs qui sont sur le toit de la montagne. Voilà, on y est presque. Allez, monte, Gary, monte! Tu es presque, tonton! Bon, une fois que je suis là, ça semble un peu compliqué. Je sais pas s'il va y arriver. Oui! Ah, ça y est, je suis arrivé en haut. Est-ce que je peux prendre un drone? Est-ce que je peux le prendre? Vas-y, prends le drone. Comment je fais? Comment je fais? Ah, ça y est! Ah mais non, il est tombé, mais il... Ah, c'est pas possible, il fait n'importe quoi. Allez, prends le drone, voilà, waouh. Ah, c'est classe. Là, je me balade, je vais aller, ben, je sais pas où je vais aller, je vais me balader, on va voir. On va aller le plus loin possible, et on va descendre ici, voilà. Je vais me fracasser, ben non, même pas. Alors ici, il y a le laveur de carreaux, on va aller là-dedans, regardez un petit peu ce passage. Donc là, il y a quelque chose, ne pas entrer. Ici, il y a un passage secret, et à l'intérieur, ben il n'y a rien. Il n'y a rien en visu, en rien en visu, mais quand vous cliquez là, un passage secret les amis. Et c'est une base criminelle secrète, regardez ça, les ordinateurs et tout. Pouah. Et là, nous avons quoi? Il dit qu'il va neiger aujourd'hui. Ah, ça peut être intéressant ça. Et là, il y a quoi? Ouais, c'est la base secrète. Je peux même ramasser une arme. J'ai un fusil, un pistolet. Ouais, c'est un fusil à pompe, ça, et un pistolet. Ouais, la base criminelle, elle est quand même top. Hein. Et ça, c'est quoi? C'est une bombe? Mais ils sont... Ah, c'est une bombe! Mais ils sont sérieux! J'ai mis une bombe dans le truc! J'espère qu'elle va pas exploser. Elle va pas exploser. N'explose pas! Hein. N'explose pas, tue personne! Ouais, elle a disparu carrément. Oh, c'est un truc de fou. Et là, il y a les balles, il y a tous les ordinateurs, il y a tous les trucs volés en fait. Hein. Voilà, c'est quand même une belle base secrète. En plus, elle est bien cachée, regardez ça. Vous pouvez la planquer grâce au petit interrupteur qui est là. Et hop, on se planque et on referme la base secrète. Comme c'est excellent ça. On va sortir de là. En plus, on les voit même pas les passages. Regardez, c'est tout bugué là, c'est bizarre. Hein. Vous pouvez carrément le planquer. Donc on va aller direct... Waouh, il neige! Il neige les amis, mais c'est la folie. Il neige complètement. Il va crever de froid mon perso là. Comment je fais? Il m'a prévenu, hein. Il m'a dit qu'il allait neiger. Alors je vais prendre ma voiture. Je vais reprendre ma voiture. Alors elle est où? Hop. Et on va se balader dans la neige. Alors est-ce que ça fait des traces quand on se balade dans la neige sur le serveur? What? Oh là là, c'est n'importe quoi. Il neige maintenant, c'est un truc de fou. Donc me voilà à l'hôpital les amis. Alors, on va aller voir un autre passage secret à l'hôpital, tant qu'à faire. Donc là, vous connaissez l'hôpital, hein, vous rentrez par là. Bah, lui, il est assis sur le coffre, normal. Et là, vous pouvez monter. Voilà, vous montez sur le truc jaune et après vous rentrez. Regardez, une pièce abandonnée dans l'hôpital, les amis. C'est excellent. Voilà, c'est un truc expérimental. Il y a des trucs exprès. Donc là, c'est quand même... voilà, ça fait peur. Hein. Ça fait peur, cette partie de l'hôpital, elle est quand même chelou. Il y a pas mal de trucs. Pour ceux qui se gavent à faire des stories là-dedans, regardez ça. Il y a quelqu'un qui peut être caché dans cette partie de l'hôpital. Il y a énormément de trucs à faire. La chambre d'observation, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? What? Ouais, c'est vraiment du gros nimp. Hein. Là, c'est les urgences de l'hôpital, mais peut-être une place secrète ou un truc dans le genre. Bon, on va ressortir. On va aller voir une autre truc. Alors, il neige à bloc, mais on voit rien. On voit plus rien ici. Mais c'est n'importe quoi, ce jeu. Alors, où est-ce que je dois aller maintenant? Bon, ben du coup, on va rentrer directement. On y va à cheval cette fois. C'est quand même plus pratique, hein. Ça sera plus simple. On va aller directement à cheval. Est-ce qu'on va pouvoir trouver ce qu'on recherche? Donc là, je cherche le truc de lavage de voiture, donc autocar. Ouais, où est-ce qu'on achète les voitures ici? Je ne sais plus. Je suis en train de le chercher, c'est tellement grand. La taille de la ville est quand même exceptionnelle. Hein. Franchement, ils se sont gavés, ça fait plaisir. On voit quand même qu'il y a pas mal de place. Alors, ça serait quand même plus pratique si j'avais un moyen de voler, hein, parce que là, je le retrouvais plus facilement. Vous avez vu, n'empêche, le nombre de trucs qu'il y a. Est-ce que je vais réussir à trouver la place que je cherche? Voilà, il s'est arrêté de neiger, les amis, on voyait plus rien.
rien. Regardez, je suis dans ma voiture de police. Alors bien entendu, bon, je cherchais le Carauto, mais en fait, ils ont fait des mises à jour et ils ont enlevé pas mal de choses. Donc c'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer la petite planque secrète, mais ils ont remplacé par ce bâtiment. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a des trucs, on ne sait pas, on va aller voir. On va regarder s'ils ont mis des planques secrètes à l'intérieur de ce bâtiment ou pas. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce que vous nous avez planqué des trucs? Alors il y a un balai là. Est-ce qu'il sert à quelque chose? Non, ça me sert à passer le balai. Ouais, mais ça m'intéresse pas, je veux pas passer le balai. Est-ce qu'il y a des trucs? Voilà, faut savoir qu'il y a pas mal de planques, hein. Il y a des planques dans tous les endroits, des planques pour les criminels, etc. Donc, non, ça m'intéresse pas. Ouais, bah, j'ai pas trouvé, c'est dommage, parce qu'il y avait des trucs à faire, hein. Il y avait pas mal de trucs. Vous avez vu quand même qu'il y a énormément de petites planques qu'il faut chercher, il faut découvrir. On va voir dans ce bâtiment, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, faut pas hésiter à cliquer, regardez, hein. Vous voyez, il y a des trucs à cliquer, et des fois, bon là, c'est pour les prêtres, hein. Ouais, mais ça a l'air d'être une église, ça. Moi, je suis allé dans une église, dans un funérarium, pour essayer de trouver un passage secret. Mais il n'y en a pas. On va aller dans ce dernier bâtiment, là. Celui-là, il m'inspire confiance. Plus ils sont grands, généralement, et plus il y a des trucs à planquer. Voilà, on va voir s'il y a une planque secrète dans celui-là. On va aller vérifier. Waouh, la boîte de nuit. Alors ça, ça a l'air d'être une bonne planque, hein. Une bonne planque. Il y a le club ici. Hop, et on doit pouvoir... Ouais, il doit y avoir quelque chose planqué, c'est obligé. Là, je le sens. Il y a moyen de trouver une planque secrète là-dedans. On va aller voir là derrière. C'est souvent dans les petits KGB comme ça. Oh, là, je peux être guitariste et je peux sortir. Bon, ben super. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire, moi. Moi, ce que je voulais voir, c'était un passage secret. Il n'y en a pas. Je peux faire carrément... ouais, je peux être acteur, je peux faire plein de trucs, hein. Ici, je peux... Oh, qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Ah, voilà. Là, ça commence à devenir intéressant. Ici, il y a un cinéma. Ouais, bon, le cinéma Brookhaven. Et de ce côté-là, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? On peut pas l'ouvrir? Oh, mais non! Je ne peux pas! Bon, au moins, voilà, il y a un petit cinoche qui est planqué dans la salle qui est en dessous. Vous voyez quand même qu'il y a pas mal de planques. J'essaierai de voir s'il y en a d'autres, parce que je suis certain qu'il doit y avoir encore des trucs cachés que peut-être vous n'avez pas vu et que je n'ai pas vu non plus, hein. Comme par exemple la petite planque criminelle, hein, qu'il y a sous le bâtiment. Peut-être que certains ne le savaient pas. Alors il y en a plein qui m'ont dit qu'il y avait plein de cachettes, des secrets, etc. Moi j'aimerais bien les découvrir avec vous. De toute façon là je pense avoir fait quand même le tour de la carte. Il y a pas mal de trucs. J'irai voir s'il y a d'autres choses. Dans tous les cas les amis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Et j'essaierai de vous croiser pour qu'on puisse se faire des stories. Parce que bien entendu le plus important c'est réussir à vous croiser. C'est ça le but dur, hein. Voilà. Et bien entendu je ferai également des stories avec Shannon quand Shannon sera disponible. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.